Je m'appelle Eva Douguet, je suis adjointe au responsable QSE chez les routiers bretons. Un responsable QSE donc, qui met en place la politique de l'entreprise donc au travers des trois lettres qualité, sécurité, environnement. Et donc la qualité, c'est satisfaire les clients et donc s'assurer que les produits soient conformes. Sécurité, donc c'est s'assurer que les salariés travaillent en toute sécurité sur leur poste de travail. Et environnement, c'est faire en sorte qu'on réponde à la législation en vigueur pour limiter notre impact écologique de par notre activité. Je vais sur le terrain, il n'y a pas d'horaire bien précis. Je vais voir donc les personnes de l'atelier, les personnes sur les quais. Et donc par rapport à ça, j'échange avec eux parfois sur des procédures, sur des thématiques, notamment par le biais de causeries. Alors des exemples de missions que je remplis au quotidien, ça passe par des quarts d'heure sécurité auprès de l'ensemble des salariés, donc ça touche tout public. Ça passe également par le tour du site, s'assurer que le site est propre et gérer tout l'aspect déchets. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la transversalité puisqu'on est amené à travailler avec l'ensemble des services de l'entreprise et donc c'est ce qui rend le métier vraiment très enrichissant au quotidien et qui est très motivant dans ce que l'on fait tous les jours. Moi, je dirais qu'il faut surtout des compétences de savoir-être qui sont la curiosité, parce que c'est un métier justement où on est amené à travailler dans plein de domaines différents. Et je dirais également qu'il faut être à l'écoute et pédagogue, puisqu'on est souvent à travailler sur le terrain. Et donc là, c'est beaucoup d'échanges et on ne peut pas arriver en disant à quelqu'un « maintenant tu vas faire ça, ça et ça » parce que ça ne va pas fonctionner. Bonjour Mickaël, je viens pour échanger sur le comité QSE. Dans un premier temps, je me suis dirigée vers une licence en environnement. Mais de par l'expérience et les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes bienveillantes, c'est vrai que ça m'a conduit à me diriger vers ce métier et j'en suis très contente.